Les amis, je dois vraiment vous parler d'un super bon plan. Pour ceux qui ont ou alors qui prévoient d'ouvrir un commerce, ou alors si vous avez vos parents ou de la famille qui ont un commerce, il faut que vous sachiez qu'avoir un site internet est indispensable. Le site internet peut vous rapporter des clients impossibles à avoir sans être passé par un site internet. Ça peut vous ramener énormément de clients et ça fait exploser votre chiffre d'affaires en très peu de temps. Pour ceux que ça intéresse, mon propre oncle, oui mon oncle, il crée des sites internet optimisés et très simple d'utilisation. Il vous fait un accompagnement de A à Z pour la création de votre site internet et honnêtement, c'est quelqu'un de très très fiable. Toutes les informations seront dans la description. Parlez-en autour de vous, c'est important. Et honnêtement, je vous fais la promesse que vous n'allez pas le regretter. Venez tenter de survivre dans la géante Mercredi Adams. Vous ne ressortirez pas vivant, ça je vous le garantis. Mettez un like sinon on viendra vous chercher, moi. On se retrouve devant Mercredi Adams ainsi que la chose. Et Monsieur Gomez nous a donné le grand défi aujourd'hui de réussir à aller tout en haut, c'est-à-dire dans la tête de Mercredi. Je sais pas si on y arrivera. Restez jusqu'à la fin, ça risque d'être incroyable. Ok, est-ce que vous êtes prêts, vous, là? Oui. Ok, ok, du coup, voilà, je suis avec Eva, Billy. Coucou. Et le hacker. Coucou. Alors, par contre, papa, ça se fait pas de pousser. Ouais, mais, oui. Aïe, aïe, mais Eva. Voilà, bien fait. Ah, oh, y a un monstre. Elle est malade. Regardez, autour de Mercredi, il y a des monstres qui rampent sur le sol et qui laissent des traces par terre. On dirait des caca vivants. Et en plus, ils font super peur. Bon. Mais... Au secours. Mais Billy, mais... Mais fais attention, ils font super mal. Oh, c'est ta faute. Je vais pas descendre. Oh, je me suis perdu. Oh là là, bon les potes, il faut qu'on commence à s'organiser parce que là, il n'y a rien qui va. Attendez, mais c'est une colonie. Waouh. Ils sont combien? Ah oui, hein. Fais tous les appeler par un prénom. Salut Théo, salut Jean-Marc, salut Jean-Philippe. Mais Billy, tu crois que c'est le moment de leur donner des prénoms ou quoi là? Aïe, aïe, aïe. Non. Aïe, attendez, papa. Attends, mais ils font super mal. Attends, mais ils font super mal. Ok, ok, attendez, je vais me cacher dans un arbre. Ok, bon. Les potes, on va reprendre tranquillement parce que là, c'est un petit peu n'importe quoi. Bon, let's go. Moi, je commence à casser du bois, les potes, parce que... Fais aller chercher une grotte. Le bois, c'est primordial. Oui, vas-y, Billy. Dis-moi, si t'arrives à trouver une grotte, franchement, t'es le boss. Eva, tu vas l'aider? Oui, 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 c'est moi qui vais la trouver. Ok, super. Et le hacker, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Je vais chercher de la nourriture. Oh, ça, c'est une très, très bonne idée. Comme ça, les potes, on se répartit les tâches et tout va très, très bien se passer. Et avant d'aller voir Gomez dans Mercredi, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour dans la chose qui se trouve juste à côté de Mercredi pour voir un petit peu si elle nous réserve, enfin si il nous réserve des petites surprises, etc. Nickel, je me suis fait une petite table de craft. Vous êtes vers où, vous? Oh, on en a trouvé une grotte dans la forêt. Ah, vous avez trouvé une grotte? Oui, oui. Oh, Emma, oh. Elle est tombée dedans comme une nunu. Oui, en plus, je me suis fait mal. Oh non, vas-y, j'arrive tout de suite. Waouh, mais c'est quoi cette grotte? Regarde ce qu'on va faire, regarde. Comme ça, on va pouvoir descendre la grotte. Ouais. Oh, pas belle ça. Billy a fait une cascade d'eau, les amis. Regardez-moi ça, qui mène directement à la grotte. Mais franchement, c'est pas bête du tout. Et en plus, il y a l'air d'avoir plein de choses dans cette grotte. Oui, regarde papa, il y a du charbon juste en dessous là. Ça là. Ah oui, il y a du charbon. Moi, ce que j'ai envie de faire. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire directement une petite pioche, les potes. C'est parti. Hop là, je vais me faire une petite pioche pour pouvoir récolter de la pierre. C'est parti. Hop là, nickel. Et le hacker, dis-moi, dans ton sac à dos, t'aurais pas des petites torches pour moi par hasard? Oh si, bien sûr, je t'amène ça. Super. Mais non, mais toi, t'as trop cru, c'était l'épicerie du coin, quoi. Mais surtout que papa, j'en ai fait. Ah bon, t'as fait des mais torches? Oui. Mais oui, avec le charbon, regarde. Mais même fait. Mais fallait me dire, moi, comment vous voulez que je le sache si vous me dites rien, regarde, les enfants? Regarde, tac, tac, tac. Ah, bah, et merci. Regarde, on a fait un pont ensemble. Oh, merci beaucoup. Ouais. Okay, bah, c'est moi qui l'ai fait. Pour le coup, je suis gâté. Quoi? On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte? Attention, mode brouette. Il va pas bien. Bon les amis, essaie de trouver du diamant. T'es plus dedans. N'importe quoi. Mais attendez, mais elle est pourrie de cette grotte. Oui. Ah, j'ai trouvé 4 fers. Ouais, ah ouais, 4 fers. Bah bon, c'est pas avec ça qu'on va avancer, quoi. Hein. Bah je te l'ai donné quand même, mais bon, si tu les veux pas, tant pis. Ah oui, merci. Ok, merci, super. Bon, les potes, on va essayer de trouver un maximum de fers. Cette grotte-là m'a pas l'air super bien, donc je pense qu'on va essayer de changer de grotte tout simplement. Waouh. Ok, oh, cette grotte-là. C'est moi qui l'ai trouvé. Hein. Oui, ça doit être ça, Billy. Ouais, ça doit être ça. Oh là là, waouh. Waouh. Billy, reviens. N'importe quoi. Oh là là, bon les potes, faut vraiment que je les surveille parce que c'est vrai que les grottes sont assez dangereuses. Qu'est-ce qu'il y a? Je tombe.
C'est un toboggan, c'est trop bien. C'est trop bien, Billy, regarde, c'est un toboggan, c'est marrant. Est-ce qu'il y a du fer là, vous en voyez ou pas? Il y a du charbon. Ouais, ok. Ah, y a, j'ai du fer. T'as du fer? Mais oui. C'est un tricheur. Ok, super. Ah, nickel, le hacker. Oh, ok, le hacker nous a trouvé du fer. Super, en plus, ça a l'air d'être un très bon filon. Ok, alors attendez, je vais juste m'équiper de torches. Super, ok. Oh, papa. Ouais, quoi? J'ai trouvé une nouvelle grotte. Sérieux? Ah non, c'est la même. Mais il est trop bête. Ah oui, j'avoue. Non, j'ai trouvé du fer. J'ai trouvé du fer, papa. Où ça, Eva? Derrière toi. Ah, t'es là. Ok, j'arrive. Ok, on est à la chasse au fer. Attends, je mets des petites torches. Waouh. Ok, super. Allez, on récolte tout ça, les amis. Nickel, comme ça, au moins, on pourra tous se faire un beau petit stuff en fer. Bon, vous savez quoi? Pendant que vous êtes en train de chercher du fer, moi je vais vite fait remonter à la surface, chercher un petit peu de nourriture, ok? Oui. Ok, bah attends, Billy, tu veux m'accompagner? Ouais, bon, bah de toute façon, t'as pas le choix. Ouais, bah oui, de toute façon, tu servais un peu à rien dans les grottes. Quoi? Hein, voilà. Et c'est moi qui ai trouvé toutes les grottes. Oui, c'est ça, c'est ça. Allez, on remonte, c'est parti. C'est parti, on est enfin sorti des grottes, on cherche un peu de nourriture. What? Mais c'est quoi ça? J'ai trouvé une carotte, mais il y a tous les cochons qui me suivent. Mais what? Attends. Oh non! Ils ont tué mon cochon. What? Attendez, mais c'est quoi tous ces bébés cochons là? Ok, bon, mais attendez. C'est pas que j'ai trouvé une carotte. Ouais, c'est ça, allez, hop là. Bah attendez, mais nous... Quoi? Nous, ce qui nous intéresse, Billy, c'est quand même la nourriture. Mais voilà. T'as tué Jean-Eude. Allez, regarde. Venez. Mais c'est quoi tous ces bébés là? Mais c'est mes animaux de compagnie. Ah bon? Mais... Bon, allez, ça va. Tu sais quoi? Je vais te les laisser. Oh, il y a un bébé qui s'est perdu tout seul. Ah, oh mais... Non, mais c'était Jean-Gabriel. Voilà, il va finir à la casserole. Allez, bah, Billy, je te rappelle qu'on a toute une famille à nourrir. Hein. Du coup, il nous faut plein de steaks. Ouais, bah là... Oh, les pattes. Ah, bah attends. Ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si la carotte peut attirer les cochons. Touka, t'es où? Bah attends, t'es en train de dire que je suis une carotte? Mais n'importe quoi, mais attends, c'est malade lui. Attendez, les potes, attendez, il dit que je suis une carotte. Bah attendez, tu dis ça juste parce que je suis roux. Ok, on a du steak. T'as combien de steaks sur toi, Billy? Là, j'en ai 45. 45? Mais attends, mais tu rigoles. Non. Attends, mais attends, n'importe quoi. Bon, moi, je vais tuer tous les bébés. Là, j'en ai 3. Ok, bon, allez, hop, hop. Moi, j'ai 6 côtelettes de porc cru. Attends, je vais aller recharter du bois. Ok, non, j'en ai même 9. Bon, franchement, les potes, niveau nourriture, je pense qu'on est bien. On va aller appeler Eva et le hacker. Je pense qu'ils ont récolté pas mal de fer. Et ensuite, on ira dans la chose. C'est parti. Nous voici en full fer. Ah ben, franchement, attends, vous êtes super mignon comme ça. J'ai un problème. Hein. J'ai du problème pour péter. Attends. Dégoûtant. Alors toi, Billy, franchement, t'es là, il est horrible. En plus, il a laissé sa couche, il a même pas mis de pantalon. Il est dégoûtant. Regarde, Mais t'es dégueulasse. C'est mal à allez. Bon allez, c'est parti les potes. On va commencer par rentrer dans la chose. C'est parti, dites-moi dans les commentaires qui vous préférez entre mercredi et la chose. Voilà, vous me dites tout dans les commentaires. C'est parti, alors attendez, je vais faire un petit escalier. Comme ça, on peut tous monter là-bas. Oh. Attends, Billy, pousse-toi. Attends. Ok, super, nickel. J'arrive pas. Mais ça casse de Billy. Ils sont trop bêtes. Bon allez, c'est mais parti. Aïe. Par contre, on ne sait pas à quoi s'attendre à l'intérieur. Du coup, voilà, faites pas de bêtises. Ah okay. Oui, t'inquiète pas. C'est parti. Aïe. What? Ah, à l'aide. Et bah, hacker. Aïe. Oui, j'essaye. Mais pourquoi? Oula, je vais mourir. T'inquiète, papa, je suis là. Aidez-moi. Cassez les mob spawners. Faut les casser. Okay. Super. Ok, oula, attendez, il en manque un. Ah bah non. Bon, c'est il y avait que ça. Bon bah, on va remonter hein. De mob spawner et... Ça m'a fait peur. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Bonjour, petit. Salut, Suga. Oh, mais attends, c'est Puxley, comment ça va? Ouais, ça va super, et toi? Bah ça va, mais toi, ça a pas l'air de trop aller. Qu'est-ce que tu fais enfermé, là? Aucune idée, mais il voulait me faire exploser. Oh, qui ça? Aucune idée, j'ai pas vu, j'ai rien vu. Ok, bon, les potes, je crois que Puxley n'a pas trop envie de dire que son papa Gomez l'a enfermé ici. Bah attends, tu sais quoi, Puxley? Je te délivre, ok? Ouais, merci. Ok, bah attends, mais qu'est-ce que t'es en train de faire là sur ton PC? Bah, Suka, je regarde la dernière vidéo de Billy. La dernière vidéo de Billy? Oui.
Ah oui, c'est vrai les amis, Billy a repris les vidéos YouTube et ses vidéos sont juste incroyables. Oui, là, il en sort très souvent. Du coup voilà, n'hésitez pas. Voilà, sa chaîne se trouve dans la description. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube et likez toutes les vidéos les potes. Franchement, ça ferait super plaisir. Et pour l'instant Puxley, il faut que tu sortes de sa, de la cellule. Ah. Allez, allez mon petit gros, allez, voilà, super. Ah, tiens, Lucas, c'est pour toi. Mais va, pleure pas. Oui, non, mais là, on a pris la vedette. Allez, c'est parti, on peut sortir d'ici maintenant. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la course pour monter en haut. Bon, attendez. Ok. Ouais, vas-y, on va faire la course. Allez, allez. C'est parti. Ok, bah allez, c'est parti, on commence. Allez, ouais, je sais déjà que c'est moi qui vais gagner. Ah bon, je suis coincé dans la... Ah ouais, bah on va voir. Toujours. On va voir. Allez, allez. Ah papa, je suis passé devant toi. Non. Je suis passé devant toi. Non, vous allez voir. Mais tu triches. Comment je triche? Qui se triche? Mais toi, tu fais que de tricher. Non, je triche pas. Ok les amis, franchement, j'essaie de faire du mieux que je peux. Oh mais je suis déjà en haut. J'ai gagné. Non, j'ai gagné. Bon, on est enfin arrivé en haut. Vous êtes prêts à voir comme c'est un peu compliqué. J'ai un petit peu peur, papa. Je peux sans te mentir. Mais non, t'inquiète pas, Eva. Bon allez, c'est parti. 1, 2, 3, est-ce que... Mais attendez, mais vous êtes qui vous? Je croyais que c'était impossible pour monter jusque là. Bah écoute, moi et mon équipe, on a réussi à monter, hein. Mais oui, Puxley, mais je l'avais enfermé. Bah le voilà maintenant, il est avec nous. Bah, vous m'aurez jamais. Reviens. Non. Il a réussi à s'échapper. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah moi je propose qu'on dorme ici, hein. Moi j'en ai marre, hein. Okay. Ça va pas ou quoi, mes pieds? Ouais, je suis d'accord. Bon bah vous savez quoi, attendez, on va visiter quand même un petit peu tout mercredi. Parce qu'on a vu que la tête pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh ok, ici c'est son ventre. Bon, vous savez quoi, ce que je vous propose, c'est qu'on aménage un petit peu le ventre. Parce que à l'arrivée de la nuit, il va se passer quelque chose de très très triste, très tragique. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok, c'est parti, on commence. Oh Billy. Elle vous crie à l'aide depuis tout à l'heure, y'a personne qui m'entend. Mais non, je suis perdue. Vous allez rire, y'a un dinosaure qui a traversé l'eau. Enfin, c'est pas si c'est un dinosaure, mais il y a eu un tsunami que... On dirait qu'il y a quelque chose qui est tombé dans l'eau et ça fait un tsunami, tous les cochons ils sont morts. Ah bon? Waouh. Ok, d'accord, bon ton histoire elle est un petit peu bizarre Billy. Mais franchement, déjà... Mais franchement, je suis content que tu aies réussi à nous rejoindre, c'est le principal. Bah oui. Allez. Bah moi je fais les lits, hein. Ok, moi je me regarde. Bon, on fait la cuisine. Mais non, Billy. Oh là là, mais vas-y, lui aussi fait aucun effort. Les gâteaux. Les gâteaux, n'importe quoi. Attends, j'ai mis un frigo, par contre, je vais mettre une barrière autour pour pas que Puxley... Attends, non, voilà. Puxley va tout manger. Ouais, sinon Puxley, il va vouloir manger tout le frigo, là. Hop là, voilà. Super. Ok, le frigo. Nous, on n'a pas bien. Que ça à faire qu'il mange tout, hein. Ici, c'est les lits. Ici, c'est le canapé, d'accord. Mais bouge. Le hacker. Y a pas de toilette, y a pas de. Attendez, je vais m'occuper de la salle de bain. Petite salle de bain. La salle de bain, je vais la faire dans la tête. Parce que dans la tête, y a assez de place pour en faire une, j'ai l'impression. Du coup, c'est parti, les potes. Ici, on va mettre toilette, lavabo. Et on va mettre la baignoire juste ici, comme ça, super. Et on va même remplir d'eau, voilà, parce qu'une baignoire sans eau, bah ça sert un peu à rien. Hop, super, et même dans le lavabo, voilà, nickel. Okay. Juste une baignoire sans eau, je crois que ça marche. Hein. Quoi hein? Mais qu'est-ce que... Mais... Quoi? C'est quoi, tu fais des baignoires sans eau? Bah oui, c'est pratique, c'est écologique en plus. Ouais, bon, attends, il a... Ah, trop peu... bien. Il est un petit peu bébête celui-là. Hein. Ça veut dire quoi, écologique? Écologique, il a dit. Mais ça veut dire quoi? N'importe quoi, oh là là. Ça veut dire que c'est pas les dents qui jettent. C'est pas les dents qui jettent. C'est moi, papa, qui les fait. Coucou. Oh, c'est stylé. Allez, le petit balcon là, comme ça là. Bah oui, mais faudrait pas que je tombe, hein, parce que là je suis. Ah! Ah! Oui, pour le coup, oh, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a ici là? Attendez, je vais essayer de passer par là. Oh, d'accord, ici on peut voir l'extérieur. Mais t'as cassé toute ma fenêtre. Ah, c'est la fenêtre. Mais oui, non, mais c'est Puxley. Il a fait une terrasse pour rien ici parce qu'Eva l'avait déjà fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais au moins, ça nous fait deux terrasses. Non, mais là, c'est bon. Ça va, ça nous fait deux terrasses. Il s'est pris pour Bob le bricoleur. Attends, hop, vas-y, super, voilà, comme ça c'est nickel. Voilà, bon, les potes, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, nous, de notre côté, c'est qu'on va finir toutes les fondations. Et on se retrouve la nuit tombée, à tout de suite. Wow, what? Les amis, qu'est-ce qui se passe? J'entends énormément de bruit. Il y a tout le monde qui est en train de dormir. Le hacker dort dans le canapé. Eva dort dans son lit. Attendez, il faut vraiment que j'aille voir. Oh, oh, oh,
Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est bon. Ah, mais réveille-toi. Casse à la vanille. Mais réveille-toi. Regardez tous les zombies qui nous envahissent. Bon, là, faut vraiment se défendre, là. Papa. Quoi? C'est un danger de mort. Mais qu'est-ce qu'il y a? On peut avoir de la glace à la vanille? Une glace à la vanille? Allez. Attends, y a un frigo qui était emprisonné. Mais non, mais on est en train de se faire envahir. Le hacker donne des armes. Je vous donne ça. On prend chacun une arme. Allez, hop là, c'est pas les potes. On prend plein de trucs. J'ai peur. Allez. Fais attention. C'est parti, les amis. On dégomme les zombies. Allez, les potes, faut tous les dégommer. Est-ce qu'on peut monter dans la tête de Mercredi, vous pensez? Oui. Ok, c'est parti, on va monter dans sa tête. De toute façon, il est mieux d'en haut. What? Ouais, il y en a un. Il y a quand même pas mal de zombies. Je suis en train de tuer les zombies comme quand Poppy Playtime t'a humilié. N'importe quoi. Allez, c'est parti. Hop là, dégomme, on dégomme. Les potes, c'est parti. On va essayer de tous les avoir. Mais regardez tous les zombies qu'il y a. Attendez, mais c'est quoi ce délire là? Ok, c'est parti, le zombie là-bas. On le dégomme. On va mourir. Aïe. Alors le zombie ici, je l'avais pas vu. C'est parti, il est mort. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des côtes de porc. Ok, alors ok. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de zombies. Ah bah là, on manquera plus de nourriture. Hein. Ah là, pour le coup, là, on est bien là. Là pour le coup, c'est une discussion de grand là. Hop, c'est parti. Attendez, il y a encore des monstres. Attendez, hop. Attends, il y a une carotte géante. Ah non, c'est papa. N'importe quoi. Oh, ok, attendez, là, il y a un monstre là. Ok, je vais le dégommer. Ok, c'est pas t'es voilà. Trop fort. Oh mon dieu. Ils sont revenus. C'est parti, dégommez-les. Oh non, les amis, ils veulent vraiment envahir Mercure. Regarde tout ça. J'ai plus de vie. Me tirez pas dessus. Aïe. Ok. Wouh. C'est bon, il y en a plus, je crois. Super, les amis. On a réussi à survivre dans le corps de Mercredi Adams. C'était incroyable. Franchement, un gros GG à vous. Vous avez bien géré, bien joué les amis. Dites-moi dans les commentaires le moment que vous avez préféré le plus. N'hésitez pas bien évidemment à aller voir la chaîne de Billy. Elle se trouve dans la description. Parce qu'elle va la tuer quelqu'un. Allez tous voir par vous-même la vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Souka, le hacker, Eva et Billy. Ciao les potes. Bye-bye.